Le Bund, la promenade mythique de Shanghai. La capitale économique de la Chine a toujours été pionnière dans ses relations avec le reste du monde. Alors c'est ici que le football chinois tente de se réinventer avec l'arrivée d'un des plus célèbres avant-centres français. D'être arrivé finalement en Chine et spécialement à Shanghai. C'est une grande société de jeux vidéo qui a payé le transfert et le salaire du joueur, 10 millions d'euros par an. Le milliardaire chinois à la tête de l'entreprise possède aussi le club de Shanghai et il a décidé d'éblouir les supporters. Retour sur le Bund. Malgré l'enthousiasme des médias chinois, Nicolas Anelka n'arrive pas vraiment en terrain conquis. Vous connaissez Anelka ? Non, je ne connais pas. Je ne sais pas. Vous aimez le football ? Je ne suis pas fan, non. Vous avez déjà entendu ce nom, Anelka ? Il me semble que oui. Alors c'est qui ? Ça doit être une star du football. Anelka. Non, non. Vous connaissez quel joueur de foot ? Vous pouvez nous donner des noms ? Je m'intéresse pas beaucoup au foot, ça ne m'intéresse pas des masses. Zidane, Henry ? Oui, Zidane, je connais. C'est qui déjà, tu sais ? Ça me dit quelque chose. C'est qui déjà ? Anelka. Je vais aller checker sur Internet. Dites-nous, il fait quoi ? Qui ça ? Anelka, vous avez déjà entendu ce nom ? C'est qui ? Qui ça ? Petit K ? Kaka. Le centre d'entraînement du club de Shanghai. Des installations plutôt modestes, voire légèrement vétustes. C'est ici que Nicolas Anelka et ses coéquipiers ont débuté la saison sous les ordres d'un autre Français, Jean Tigana. Aucun supporter pendant les entraînements. Les médias chinois ne sont autorisés à filmer que pendant quelques minutes. Des supporters tenus à distance. Mais il y a pourtant à Shanghai de nombreux fans de football qui ne demandent qu'à s'enflammer pour cette équipe. Xiaofu est l'un de ses aficionados, un tifoso made in Shanghai. Dans son petit appartement de la banlieue, Fu a dédié un hôtel au Shanghai Shenhua. Photo, coupe, fanion. La panoplie du parfait supporter. Dans quelques heures, son club joue en championnat. Cette photo date de 2006. Et lui, c'est l'entraîneur brésilien. C'est un champion du monde. Cette photo, ce sont tous mes copains. On va voir le foot ensemble. Ce sont mes meilleurs amis. Une heure de métro pour arriver au stade, bien avant le coup d'envoi. Ce stade, il fait partie de ma vie depuis 10 ans. Rendez-vous au bistrot des supporters. C'est le point de ralliement des Diables Bleus, les supporters les plus enflammés du Shenhua. On est chez nous dans ce restaurant. Tu vois, même les serveurs portent le maillot du club. Au menu, une fondue chinoise et beaucoup de bière. Cette année, j'aurai 39 ans. Je suis fan depuis le premier match professionnel de Shanghai. Et ça fait combien d'années tout ça ? Depuis 1993, l'année de la création du championnat chinois. Ouais, allez, cul sec, pour le plus vieux des fans.
les Diables Bleus paient 100 euros par an pour tous les matchs à domicile. Il y a 16 équipes dans le championnat professionnel chinois, créé au début des années 90. Un championnat que Shanghai n'a pas gagné depuis 10 ans. 3-0. Bien sûr que Shen Hua va gagner ce soir. Sinon, vous ne serez pas venu. Vous allez voir, Anelka va vous faire le coup du chapeau. Voilà, Anelka marquera 3 buts. Le résultat sera 3-0. Ouais, 3-0. Ces fans de foot sont shanghaïens avant tout. Pas question pour eux de supporter l'équipe nationale dans les profondeurs du classement FIFA depuis une décennie. On regarde tous les matchs de l'équipe nationale, mais à chaque fois, on est extrêmement déçus. À chaque fois, on se dit qu'on ne regardera plus. Bon allez, santé quand même. Dans le club de Shanghai, chaque soirée débute par le même rituel. L'hymne national, exercice imposé au début de chaque rencontre. En Chine, le stade est le seul lieu public où l'on peut se retrouver ensemble et se lâcher sans crainte des représailles des autorités. Une soupape dont les supporters profitent largement. Mais malgré leurs cris et leurs encouragements, la grève française a bien du mal à prendre sur l'équipe shanghaïenne. Le doute s'installe, d'autant que la soirée a apporté une nouvelle perturbante. Quatre anciens joueurs du club ont été arrêtés pour corruption. Le mal qui gangrène le foot chinois n'a pas épargné Shanghai. Maintenant, il n'y a plus de raison d'avoir peur. Le gouvernement a engagé une action. Ils ont arrêté les pourris, ça va aller. Tu as remarqué qu'il y a plein de supporters pour les matchs de cette saison ? Dans tous les stades, c'est complet. Parce que les joueurs corrompus ont été arrêtés. À la 83e minute, c'est la délivrance. Un but donne la victoire à Shen Hua. La célébration continue dans la rue. Ce soir à Shanghai, les supporters savourent leur victoire, mais ils vont rapidement déchanter. Après seulement quelques semaines, l'attraction du foot chinois a visiblement dératé. Le club de Shanghai pointe en bas de classement. Alors un beau matin, c'est Nicolas Anelka en personne qui vient annoncer les premiers changements. On m'a juste demandé hier ou avant-hier de prendre place en tant qu'entraîneur. Et comme il n'y avait pas d'autre solution, j'ai accepté tout simplement. Je connais un peu le football, donc ça va, j'arrive à gérer. Mais je vais dans l'inconnu. On verra comment ça se passe. J'espère que ça se passera bien. Je connais les joueurs chinois, ils me connaissent aussi, donc on verra. Mais j'espère que ça sera bien. Le lendemain, dans les parcs de Shanghai, la crise au club de foot de la ville laisse tout le monde indifférent. Les Chinois pratiquent en masse les activités physiques. On trouve à chaque coin de rue des appareils pour faire de la musculation ou des amateurs de badminton en pleine activité. Les petits matchs de foot de rue sont bien rares. En fait, le ballon rond ne fait plus vraiment rêver. Je préfère jouer au basket. Il faut au moins 10 personnes pour jouer au foot. Aujourd'hui, je suis venu avec ma copine. On peut jouer à deux au basket ou au badminton. Il n'y a plus beaucoup de monde qui a envie de s'intéresser au football. C'est devenu trop pollué par les scandales.
Alors moi aussi, je préfère jouer au badminton ou au basket. Et puis en ce moment, dans le foot chinois, il n'y a aucun grand joueur, personne qui sorte du lot. Vous vous intéressez à Anelka, le français, vous? Et alors, il a marqué un but hier? Eh ben non, voilà. Au début des années 2000, le football était pourtant le sport le plus populaire du pays. Et l'équipe nationale a même participé une fois à la Coupe du Monde, en 2002. Aujourd'hui, le foot se traîne derrière le basket ou le tennis de table. Des avalanches de scandales ont fait perdre toute sa crédibilité au championnat chinois. Bienvenue dans notre émission La vérité en 30 minutes qui dit toute la vérité. Aujourd'hui, on parle du football chinois. Les scandales de corruption bouleversent régulièrement le classement du championnat. Dans le foot chinois, il y a toujours eu des rumeurs concernant la corruption et les coulisses. Alors, le foot chinois est-il vraiment corrompu? Où en est le foot chinois aujourd'hui? Y a-t-il encore de l'espoir? Des joueurs, des arbitres, des dirigeants sont en prison. Un phénomène endémique qui mine le sport depuis des décennies, et pas seulement chez les professionnels. Rowan Simmons, journaliste anglais en poste en Chine depuis 20 ans, est le grand spécialiste du football dans le pays. Il donne régulièrement des conférences, il est consultant pour la télévision chinoise et il a publié plusieurs ouvrages sur la question. Son diagnostic est sans appel. Par exemple, on a beaucoup de témoignages selon lesquels, même en junior, les joueurs doivent payer leur entraîneur pour être retenus dans l'équipe. Alors évidemment, l'entraîneur, il a lui-même acheté son poste, puisque ça lui permet de prendre de l'argent de ses joueurs. Ça se produit en junior. Ça se produit au niveau des clubs, au niveau régional et aussi en équipe nationale. Il y a quelques années, on a eu le cas d'un joueur de sélection nationale qui a publiquement déclaré qu'il aurait pu être sélectionné bien plus souvent s'il avait été plus riche. Il y a en ce moment une carte des tarifs qui a été publiée qui explique combien coûte une place en équipe nationale et combien ça vous coûterait si vous voulez être simplement remplaçant. Alors évidemment, quand vous êtes dans une situation où les joueurs peuvent acheter leur place sans qu'il soit question de compétences sportives, eh bien on peut dire qu'on est vraiment dans une grosse crise. Une fin de journée en banlieue de Pékin. Rowan Simmons, passionné de football, a créé ici le premier club de foot amateur du pays. Dans la Chine communiste, le droit d'association n'existe pas. Il n'y a donc pas d'équipe dans chaque village ou dans chaque quartier. La Fédération chinoise de football, qui est un simple département du ministère des Sports, ne compte ainsi que quelques milliers de licenciés. Le jeune Anglais a donc créé une entreprise qui vend à ses membres la participation à un championnat privé, moyen détourné de créer un mouvement de football amateur en Chine. Pour l'essentiel, ce sont les étrangers vivant dans le pays qui animent ce championnat, déçus de ne pas pouvoir pratiquer avec les Chinois leur sport favori. Quand je suis arrivé en Chine, oui, je croyais que je pourrais peut-être jouer dans un club. Mais c'est impossible. Il faut toujours que tu connaisses quelqu'un qui te fasse entrer dans un club. Ce n'est pas comme si on pouvait y aller, frapper à la porte et demander « Hey, je peux jouer avec vous ?» Ça ne marche pas comme ça. Quelques joueurs chinois amateurs participent à ce championnat étranger. Seule ouverture sur la pratique de leur sport. Le foot est un jeu, mais la plupart des Chinois le considèrent comme un métier. Pour eux, c'est une histoire d'argent. Footballeur, ça serait donc une carrière, et pas un loisir. Alors que c'est tout simplement un jeu. Le foot permet aux jeunes de pratiquer un sport très complet. On y développe la solidarité, le courage et l'esprit d'équipe. Ça nous permet d'apprendre beaucoup de choses et aussi de comprendre nos défauts. Et c'est cela qu'il faut que les gens retiennent.
En fait, auparavant, il y avait plus de gens qui jouaient au foot. Mais à l'heure actuelle, à cause de toutes les affaires de corruption, il y a moins de monde. Nous devons changer cet environnement, ce système. Et là, je pense que les Chinois reviendront sur les terrains de foot. Mais pour le moment, les seuls Chinois qui pratiquent régulièrement le football sont des professionnels ou des apprentis dans les écuries à champions du pays. Un petit village, à 2 heures de route de Shanghai. C'est ici que M. Li fait construire l'un des plus ambitieux centres de formation de footballeurs de tout le pays. On a décidé de construire ce centre il y a 10 ans. On a fait ça très sérieusement. Ce gazon artificiel, il vient d'Allemagne. C'est le premier qu'on ait importé en Chine et ça nous a coûté 100 000 euros. Monsieur Li est un ancien international. Il garde précieusement les reliques de son passé de footballeur. Ça, c'est Chu Enlai et là, c'est moi. C'était en 72. C'est quand je pratiquais encore. Aujourd'hui, sa mission, c'est le développement du football chinois. Et il a décidé de prendre les choses en main, d'élever en batterie les futurs champions. L'économie chinoise se développe. Alors, dans toutes les grandes villes, on voit de plus en plus de gratte-ciel. Mais des terrains de foot, il y en a de moins en moins. On n'a plus assez d'endroits pour s'entraîner. Et ça, c'est un vrai problème. Aujourd'hui, l'éducation des enfants est devenue tellement importante, les étudiants croulent sous les devoirs et les responsabilités, que ça ne les incite pas à mettre le nez dehors pour faire du sport. Et puis, les scandales de corruption, ça n'a rien arrangé. C'est normal de penser à ce point à l'éducation. Mais la Chine doit comprendre que le foot a aussi un intérêt éducatif pour développer les qualités de la jeunesse. Et accessoirement aussi pour devenir professionnel, mais pas seulement. Pour convaincre les parents de lui confier son enfant unique, Monsieur Li a un truc imparable. Allez, chacun une balle, et on verra bien qui court le plus lentement. Son académie est totalement gratuite pour les plus doués. Son équipe de recruteurs sillonne la Chine pour trouver les futurs prodiges. Il sélectionne de jeunes garçons d'une dizaine d'années maximum. Il leur faut quitter leur village. Les enfants deviennent dès lors des sportifs professionnels. Bon, maintenant je vais vous montrer comment faire cet exercice. Vous voyez, les passes, ça se travaille en 2 étapes. Vous donnez, vous bougez et vous réceptionnez ailleurs. Allez hop, on y va. J'étais tout petit à l'école maternelle. Un jour, des entraîneurs sont venus dans notre classe choisir les élèves les plus doués en sport. J'étais déjà assez bon, alors ils m'ont choisi. Au début, je suis venu ici pour un essai. Et puis maintenant, c'est ma vie ici. Hey, les gars, faut accélérer avant de prendre votre appel pour monter plus haut. Le foot chinois? Comment dire? Le foot chinois a beaucoup progressé, mais les footballeurs ne courent pas assez. Il faut courir toujours plus pour devenir encore meilleur. Il faut toujours progresser physiquement. Les enfants vivent en permanence séparés de leurs parents, qu'ils ne voient en général qu'une fois par an. Monsieur Li s'occupe de tout. Il fait particulièrement attention à la nourriture,
Il faut que ces jeunes champions développent rapidement leur qualité physique. C'est très bon. Ça va. Avant le déjeuner, ils nous donnent toujours une banane. J'aime bien. Il faut manger beaucoup pour avoir la force pour s'entraîner. L'académie prend en charge le dortoir, les repas et le matin, un semblant de vie scolaire. Seuls les moins doués doivent s'acquitter d'environ 100 euros par mois pour être pensionnaires. Pour Monsieur Lee, le jackpot se fera lorsqu'ils seront suffisamment grands pour devenir professionnels. L'ancien champion prend alors son téléphone pour vendre ses protégés au club du pays et il encaisse bien sûr toutes les recettes. Allez les mecs, on court. C'est ce qui est arrivé à Wang Wei. Après une dizaine d'années dans un élevage de champions, le jeune footballeur de 20 ans a signé un contrat dans un club de Pékin, le Baxi, une équipe pensionnaire de deuxième division, où on fait aussi très attention à l'alimentation. Bonsoir. Wang Wei, il est très bon, à tous les niveaux. Il se débrouille plutôt bien. Ce serait pas mal qu'il améliore un peu sa stratégie sur le terrain, mais franchement, c'est un bon composant de l'équipe. Ce club pékinois a intégré ces dernières années des professionnels étrangers, plusieurs Brésiliens dans l'effectif. Ils viennent ici pour un salaire entre 3 et 5 000 euros par mois, bien loin des standards internationaux. Alex fait partie de l'équipe depuis 4 saisons. Oui, c'est ça, il manque d'initiative. Il faut écouter le coach, ça c'est évident. Mais ensuite, il faut une attitude. Sur le terrain, vous n'avez que quelques secondes pour prendre une décision. Si vous passez la balle ou pas. Donc il faut prendre position, il faut prendre des initiatives. Ah, t'es là ? Pour ces professionnels, la vie quotidienne est un peu militaire. Les joueurs n'ont ni voiture de luxe, ni appartement de milliardaire. Ça, c'est notre chambre. Ici, on se déplace avec le bus du club et on vit tous ensemble dans les dortoirs de l'équipe. C'est vrai que c'est une chambre de footballeur. On est crevé après l'entraînement, alors le ménage, c'est pas notre priorité. On fait jamais notre lit. Wang Wei et son camarade de chambre vivent ensemble depuis l'école primaire. Au-dessus de leur lit, les posters enfantins des dieux du foot, bien loin de leur quotidien. Il va devenir aussi célèbre que Ronaldinho. Et puis en plus, il lui ressemble, hein, vous trouvez pas ? Ces jeunes joueurs gagnent aujourd'hui environ 1000 euros par mois, 5 fois le salaire moyen en Chine. Chacun a une ambition dans la vie. Chacun a des rêves. Moi, le foot, j'ai commencé, j'avais 7, peut-être 8 ans. Pour le football, j'ai abandonné l'école. Alors, quelles que soient les conditions de vie, si jamais je décidais d'abandonner le football, je n'aurais plus rien, car je n'ai pas fait d'autres études. Je suis un garçon. Comme tous les garçons, j'ai toujours aimé le foot. Je n'ai jamais cherché à réfléchir plus loin. Donc aujourd'hui, je n'ai plus le choix. J'ai toujours joué, chaque jour, et je dois persévérer jusqu'au jour où je ne pourrai plus jouer. Une vie solitaire, pas de petit ami, pas de rêve de fortune, juste l'espoir ténu d'intégrer un jour l'équipe nationale. Chaque soir, partie de billard près de la cantine du club. Wang Wei et ses coéquipiers sont consignés ici 6 jours sur 7. Officiellement, aucun ne regrette sa carrière. Mais tous espéraient une autre réussite pour le football en Chine.
On a la même vie tous les jours. Alors c'est vrai, parfois, ça nous pèse un peu. Heureusement, avec mes potes, on a tous la même vie ici. Parfois, je me sens un peu isolé. Mais bon, je tiens le coup. À quelques kilomètres de là, dans le centre de la capitale chinoise, le Temple du Ciel. Le rendez-vous des vieux Pékinois. On vient y jouer aux échecs, faire un bœuf entre amis, ou encore pratiquer le traditionnel tai chi. Mais on rencontre aussi des jongleurs fous qu'on pourrait croire échappés d'une plage brésilienne. C'est du dianze. Nous jouons au dianze. Quand le dianze arrive ici, tu lèves ton pied. Mais tu fais attention à ne pas l'envoyer trop haut. Allez, on continue. Ça fait beaucoup de bien, surtout pour les bras et les jambes. Les Chinois sont timides. Quand ils n'ont pas assez de joueurs pour jouer au football amateur, ils n'osent pas appeler d'autres gens dans le parc pour venir jouer avec eux. Alors que pour le Jianze, c'est facile de trouver de petits terrains n'importe où pour jouer. Et le nombre de joueurs, c'est pas important. C'est pour ça que c'est si populaire partout en Chine. Le Jianze est surtout l'un des derniers avatars des sports traditionnels du pays. Il y a plus de 2000 ans, les Chinois avaient inventé un drôle de sport, le shuju. On y jouait avec les pieds, en faisant circuler un ballon ou un volant, pas forcément pour marquer des buts, souvent simplement pour jongler le plus longtemps possible sans faire de faute. C'est la Chine qui a inventé le foot. Bah, c'est sûr que c'est les Chinois, ça. C'est sûr que c'est la Chine qui a inventé le foot. Dans l'Antiquité, il existait le tsuju. Le tsuju, c'est avec un ballon rond. Aujourd'hui, ça s'appelle le football. Les étrangers ont simplement imité notre vieux jeu chinois pour créer le football. Et aujourd'hui, ils jouent mieux que nous. Dans l'Antiquité, on jouait aussi avec des chevaux. C'est la Chine aussi qui a inventé le polo. Pour les historiens, difficile d'établir avec certitude un lien direct entre le football moderne, codé en Angleterre, et ce sport chinois. Mais les archives sont pourtant troublantes. Le football chinois, le suju, s'est développé selon deux axes. D'abord, c'était un exercice militaire. C'est l'armée qui a inventé ce jeu dans l'époque Wando. Ça permettait d'entraîner la cohésion et le physique des militaires. Et puis, au fur et à mesure, le sport s'est diffusé dans tout le pays quand les soldats rentraient chez eux. Ils continuaient de jouer au suju. Le football chinois est alors devenu très populaire dans toutes les couches de la société, jusqu'à la cour des empereurs de Chine. Pour faire le ballon, on utilisait la vessie d'un animal gonflé à l'air. Et l'extérieur du ballon était en cuir. C'était donc très proche du ballon de football actuel. Sous la dynastie des Song, il y avait deux buts de chaque côté du terrain. Et puis, petit à petit, le jeu a évolué, on a mis un filet au milieu, comme sur un terrain de volley-ball. Ensuite, on a enlevé les buts. Au début, c'était donc un affrontement direct entre deux équipes, et puis c'est devenu un jeu d'affrontement indirect. Le football antique était le seul sport pratiqué tant par les hommes que par les femmes. Aujourd'hui encore, le Jianze, son lointain descendant, a autant de fans dans chaque sexe. Canton dans le sud de la Chine. Sous un soleil de plomb, une équipe de Super League chinoise, une équipe féminine. Si le football masculin ne parvient pas à décoller, le football féminin, lui, a déjà connu son heure de gloire avec un titre mondial en 1999. Le championnat professionnel n'attire pas les foules, mais les footballeuses espèrent servir de modèle à leurs collègues masculins.
Le football est un jeu collectif et les garçons manquent d'esprit d'équipe. Par rapport au salaire du foot masculin, nos salaires sont très bas, ridicules. C'est parce que les filles sont passionnées par le foot qu'elles ne laissent pas tomber. Parce qu'elles ne gagneront jamais autant que les garçons. Même par rapport aux gens qui travaillent dans des bureaux, on gagne peu. Moi, je gagne 120 euros par mois, mais je n'ai pas un rôle très important dans l'équipe. Yellows have the ball, Susie and Jungchi are playing with you. Greens have the ball, the two girls are with you. Dans l'équipe, plusieurs joueuses internationales. Elles ont participé aux Jeux Olympiques ou à la Coupe du Monde. Leur motivation, la fierté du drapeau. Un nationalisme qui semblerait faire défaut à l'équipe masculine. Moi, je gagne plus de 400 euros par mois. Mais on ne fait pas du foot pour l'argent, c'est pour accomplir son rêve. J'espère vraiment que le niveau du football féminin chinois peut retrouver sa place de meilleur du monde. Nous sommes les travailleurs, nous sommes les petites mains du football. Quand je serai à la retraite, je serai au chômage car je n'ai fait aucune étude. J'ai tout donné pour le football, pour accomplir mon rêve. Je ne doute pas un instant que le foot chinois va progresser, tant masculin que féminin. Il y a des compétences techniques, de l'agilité et de la vitesse naturelle. Les ingrédients sont là pour que le foot renoue avec le succès. Il faut juste que tout le monde progresse à tous les niveaux possibles. Et la Chine reviendra là où elle devrait être, c'est-à-dire certainement le numéro 1 en Asie et parmi le top 5 mondial pour les femmes et le top 20 pour les hommes. Cet homme qui marche dans les rues de Pékin est lui aussi très optimiste sur l'avenir du foot chinois. Voilà, c'est là-bas, à la CCTV. C'est là-bas que nous diffusons notre émission. Liu Jianghong peut se promener presque anonymement dans la capitale chinoise. Il est pourtant l'équivalent d'un Thierry Roland dans l'Empire du Milieu. C'est le foot qui est célèbre, pas moi. Son émission La Nuit du Foot est le rendez-vous quotidien des amateurs de ballon rond. Non, vous ne pouvez pas tourner ici, c'est l'entrée. Vous tournerez plus tard à l'intérieur. Ok. Une vingtaine de journalistes travaillent ici depuis 1996. À l'époque, le football était en plein développement. L'émission quotidienne durait souvent plusieurs heures en prime time sur CCTV5, la chaîne nationale dédiée au sport. Aujourd'hui, la nuit du foot dure 50 minutes, un signe du désintérêt du public comme du régime chinois, car CCTV est l'organe d'information du gouvernement et chaque décision de programmation traduit la politique des autorités. Le principal problème avec le football, c'est qu'on perd tout le temps, alors que les Chinois ont un rapport passionnel au sport. Donc, beaucoup de gens n'osent plus s'intéresser, de peur d'être déçus. Ceux qui tentent de regarder un match de l'équipe nationale une seule fois, ils sont immédiatement déçus, alors ils s'éloignent du foot pour toujours. L'année où la Chine s'est qualifiée pour la Coupe du Monde, il y avait 100 millions de Chinois qui regardaient les matchs. Ça prouve bien que beaucoup de Chinois aiment le football. Alors, dans ton sujet, tu as d'abord une interview, puis des images du match de Renda, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, interview de nouveau, puis match de Tianjin, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Ok, on y va. Ouais, c'est ça, mais le souci, c'est qu'on manque de gros plans. Mais si, on en a. Regarde. Pour faire un carton d'audience, l'équipe de la nuit du foot a un truc infaillible, diffuser des matchs étrangers. Un choc du championnat italien ou anglais peut réunir plusieurs millions de téléspectateurs à 3 heures du matin. La preuve pour M. Li qu'il y a un véritable intérêt pour le football.
il suffit aux équipes chinoises de devenir compétitives, par exemple en embauchant des stars étrangères. Le football est un produit. Quand la qualité du produit est mauvaise, quand ce produit est discrédité, les amateurs de football sont comme tous les consommateurs, ils n'achètent plus. Résultat, l'intérêt pour le foot a baissé. Le marché économique autour du foot a baissé. Notre audience a aussi baissé. Et le niveau moyen a baissé. C'est ça la conséquence de tous ces scandales. 16年前的四月, la bonne nouvelle, c'est que les audiences remontent, près de 30% de plus sur les deux dernières saisons. Et la fréquentation des stades est elle aussi en hausse, avec plus de 20 000 spectateurs en moyenne. Du coup, CCTV va reprendre la diffusion des matchs de Super League. Monsieur Li en est convaincu, dans quelques années, le football sera le sport le plus populaire du pays, et il ne pourra plus marcher tranquillement dans la rue. Avec le regain d'intérêt des médias officiels, les sponsors sortent à nouveau leur chéquier. Nous sommes au groupe Wanda, l'un des plus importants promoteurs immobiliers du pays. Dans cet immeuble flambant neuf, le siège de la société, on vient de signer un chèque de 50 millions d'euros à la Fédération nationale. En Chine, les gens aiment le foot. Ces dernières années, nous avons connu des scandales et donc les gens se sont détournés. Mais je crois que le printemps du football va bientôt arriver. Nous allons nous redresser. Alors on pense que c'est le bon moment pour investir, pour faire progresser le foot chinois et profiter de ses futures performances. Wanda est désormais le partenaire officiel de la fédération et partout dans le pays, de grands groupes soutiennent ou achètent les équipes professionnelles. Un mécénat pas franchement désintéressé. Ces sponsors viennent de l'immobilier ou des médias, des secteurs directement contrôlés par le régime. Une preuve de plus que le renouveau du football chinois est programmé au plus haut niveau. En attendant les résultats, ces nouveaux sponsors font émerger des héros positifs. Il faut laver le football chinois des scandales de corruption. Nous sommes à Canton. Un bus de supporters s'arrête devant le siège d'un des deux clubs de Super League de la ville. Oui, nous sommes tous des fans de Lulin, le numéro 23. On vient le voir à l'entraînement. On est venu pour soutenir Lulin. À quelques mètres de là, le fameux Lulin, qui prépare des cadeaux pour ses fans. La vedette du club de Canton habite dans cette petite chambre, comme les autres joueurs, à l'étage du centre d'entraînement. Vous les avez vus, tous les fans en bas? Ils sont là pour lui. Oui, c'est vrai que j'ai pas mal de fans. Au niveau local, surtout. À Canton, je possède 2 millions de fans. Et là, je signe mon nom sur les t-shirts pour leur offrir. Lulin est populaire auprès des fans car il est natif de la ville où il a fait sa carrière. Bon père de famille, il respecte les traditions chinoises. Dans sa chambre, un petit hôtel avec des médailles familiales pour éloigner les mauvais esprits. Là, je vais me changer. À plus tard. Le terrain d'entraînement du club de Canton semble presque à la campagne. La pelouse souffre un peu sous le climat tropical, mais cette équipe est au centre du projet du football chinois. Des joueurs locaux qui donnent l'exemple dans les médias et quelques étrangers pour apporter plus d'expérience. Cinq Brésiliens sont arrivés au club, dont l'entraîneur. Aujourd'hui, il est important pour eux d'avoir des joueurs étrangers. Mais une fois que le football chinois aura évolué, ils n'auront plus besoin de ces joueurs.
Les joueurs chinois s'entraînent non-stop. Ils sont stressés en permanence. Il manque de liberté et pour moi, cela a la conséquence inverse de l'effet voulu. Cela empêche leur niveau de s'améliorer. Il faut qu'ils aient davantage de liberté, qu'ils arrêtent de vivre en vase clos. Ils devraient avoir une vie privée. Il faudrait qu'ils aient plus de contact avec l'extérieur. Il faudrait stimuler leur originalité. C'est le gros défaut du football chinois aujourd'hui. S'il vit le plus souvent dans sa chambre au club, Loulin a pu tout de même s'offrir une voiture digne d'un footballeur international. Le jeune homme de 28 ans peut ainsi rendre visite à son épouse et à sa petite-fille le plus souvent possible. Je viens d'une famille moyenne. Mes parents n'avaient pas de travail, nous n'avions pas d'argent. Je devais me débrouiller tout seul quand j'étais petit. Alors je connais le prix de ma nouvelle vie. Ce soir, Loulin a rendez-vous avec ses fans. Une invitation au restaurant. On a du mal à imaginer la même scène dans un championnat européen. Mais en Chine, les joueurs professionnels restent proches des supporters, avec humilité. Chaque joueur a sa manière de vivre. Nous, on apprend à être ouvert dès l'enfance. Et je trouve qu'il est vraiment normal de participer à des soirées comme celle-ci. Ça ne m'empêche pas d'avoir mes habitudes. Mais c'est normal de manger avec mes fans. Et ça me fait plaisir. Image d'un championnat qui a gardé une ambiance un peu amateur. Mais à 10 000 km de là, on prépare les futurs Loulin dans une ambiance beaucoup plus professionnelle. Nous sommes au centre de formation du Football Club de Metz, l'une des plus anciennes équipes professionnelles françaises. Depuis plusieurs années, le club a tissé une relation unique avec le football chinois. Au milieu des apprentis footballeurs français, il accueille chaque année une promotion de jeunes espoirs de l'Empire du Milieu. Jusqu'à 17h30, peut-être 17. C'est tous les jours l'entraînement ? Non. Samedi, dimanche, pas. Dans le vestiaire, la communication n'est pas toujours évidente. C'est compliqué. Quand on leur donne des consignes, je sais pas, des fois ils comprennent pas, ils font le contraire. Mais après, ils s'adaptent quand même assez vite quand on leur montre ou quoi. Ils arrivent quand même à s'adapter parce que c'est quand même des bons joueurs de football. Donc ils arrivent à s'adapter comme il faut. Vos affaires, vous irez les mettre dans vos vestiaires. Ah. Ok, c'est bon. Vous avez compris? Tout? You understand? Non? On va vous donner des équipements. Chaussettes, shorts, maillots. On change. Voilà, il a compris le son. On va changer. Bien joué. T'es bon? T'as pris les ballons chinois? Magnifique. Hein? Comme ça, ils sont pas dépaysés. Les jeunes chinois flottent un peu dans leur maillot, mais ils sont prêts à tout donner sur le terrain. Tu comprends, toi? Oui. Ok, super. On y va, les gars? Il y a dans cette génération des joueurs qui individuellement intéresseraient n'importe quel club professionnel français. Par contre, dès lors qu'on les met dans la compétition, dès lors qu'on observe leur progression sur un an ou deux ans, on s'aperçoit que ce qui manque fondamentalement, c'est un, le système de compétition, et deux, le travail de formation. Donc, c'est la raison pour laquelle nous, on agit pour améliorer le travail qui est proposé à ces jeunes joueurs qui ont un potentiel au départ, et puis accueillir des jeunes footballeurs et leur proposer une expérience de niveau supérieur avec un niveau de compétition de niveau supérieur. En Europe, seuls le FC Metz et le FC Barcelone ont tissé de tels liens avec la fédération chinoise. Tous les 6 mois, Pékin envoie ici ses meilleurs jeunes,
En Chine, ils s'entraînent avec acharnement, mais l'absence de championnat amateur les prive de l'expérience de la compétition. En France, ils vont participer aux matchs des équipes du centre de formation et acquérir ainsi l'expérience du niveau international. Vous êtes sur la même ligne, derrière. Ah, c'était bon joueur. Je vais voir ce que ça va donner en tournoi, là. Pour ces jeunes Chinois, vivre en France est une expérience un peu étrange. Ils ont certes l'habitude de vivre séparés de leur famille depuis leur plus jeune âge, mais il faut composer avec la nourriture très différente. C'est bon, c'est quoi ? Ouais, c'était bon. C'est bon, très bien. Ils découvrent aussi des plaisirs interdits chez eux, comme celui de discuter librement sur Internet, censuré dans leur pays. Ils savent qu'ils sont ici en stage pour quelques mois, mais tous rêvent de s'imposer en Europe, de rester à Metz, comme Wang Shu. Ce jeune joueur, arrivé en Lorraine à 13 ans, a réussi à s'imposer au club, où il est devenu le premier Chinois à signer en France un contrat professionnel. Aujourd'hui, il est un peu le grand frère de la promotion chinoise du centre de formation et un modèle. Je vais évidemment essayer de rester en Europe. Tous les Chinois pensent comme ça. Il veut rester en Europe. En Europe parce que c'est un joueur qui a du potentiel. C'est sûr que tu veux rester au plus haut niveau. Pour éviter l'exode, la fédération les envoie désormais en France 6 mois et 6 mois seulement. 3 au bout. Et puis, ensuite. Ah, et 11h, je reviens. Et je mange à midi. Qu'est-ce que tu viens de dire, Jean? À 12h, à midi. Midi, on dit midi, hein? Tu peux dire 12h, on comprend si tu dis 12h. Mais on dit midi. Assez pour apprendre les rudiments de français, mais pas assez pour perdre de vue l'objectif de leur mission, se hisser au niveau mondial, pas pour leur gloire personnelle, mais pour redresser le football national. Parfois, j'ai entraînement à matin. Le matin. Le matin. Bien, oui. OK, bon, là, on est à midi. À leurs yeux, le football est le sport le plus populaire au monde. Donc, la Chine a aujourd'hui envie d'exister dans ce sport. Il y a une volonté marquée d'être un pays, d'avoir une sélection nationale qui compte dans le paysage du football mondial. Donc, ils ont bien conscience que ce n'est pas en recrutant Anelka pour une équipe professionnelle, pour un club professionnel, parce qu'il y a un financier qui a décidé de faire un gros effort sur l'arrivée d'un joueur, que ça va élever le niveau général. Le niveau général du football chinois passe de façon inéluctable par la formation. Ces jeunes joueurs sont censés être l'ossature de l'équipe nationale de 2022. Pourquoi 2022? Parce que si le plan chinois réussit, c'est cette année-là que l'équipe nationale devrait être en mesure de se frotter à l'élite mondiale. Et du côté de la FIFA, on attend évidemment que cela. Retour en Chine, dans la banlieue de Pékin. Nous sommes au centre national d'entraînement de la Fédération chinoise. Un entraînement pas tout à fait comme les autres. Les joueurs sont en fait des entraîneurs venus de toutes les provinces du pays. Et ils sont sous les ordres d'un envoyé spécial de la FIFA, le gouvernement mondial du football, qui a décidé d'aider la Chine à faire progresser l'encadrement. La Chine est un grand pays. Et en plus, les leaders de la République populaire de Chine ont exprimé beaucoup d'intérêt. Et ils ont demandé l'aide de la FIFA. Il y a un gros potentiel ici, en Chine. But de la séance, faire comprendre à ses entraîneurs que le football est d'abord un jeu. Il faut abandonner les méthodes militaires pour permettre aux jeunes joueurs de prendre d'abord du plaisir. From 6 to 12, we are talking about 6 to 12. This is the golden age of development. And you know that children at this tender age. Pour la FIFA comme pour la Chine,
c'est une affaire très sérieuse. Le plus grand pays du monde possède mathématiquement le plus grand potentiel du monde. Il faut simplement cultiver ses talents. Un message pour vous tous. En Chine, tout est possible, alors ne demandez pas l'impossible. Si on réussit à faire du football un sport de masse, dans 10 ans, la Chine va créer à la chaîne des vedettes chinoises qui auront joué dans les clubs du monde entier. Je ne dis pas que toutes seront des énormes stars, mais je suis certain que si les matchs chinoises se mettent au football, il y aura des vedettes. On en parle dans 10 ans ? 1, 2, 3, 4. Pour ses entraîneurs, la Chine sera un jour champion du monde. La FIFA et ses sponsors n'attendent que cela pour conquérir son immense marché. Le sport le plus populaire du monde veut s'imposer en Chine, quitte à révolutionner la hiérarchie du monde du football.